Donc, le thème de ce soir est autour des couples qui travaillent ensemble, ce que j'ai appelé moi les work couples. Oui, c'est les couples qui travaillent ensemble. Sinon, je vais prendre le deuxième micro. Attendez. Voilà. Là, vous m'entendez ? Ouais. Ok. C'est parfait. Donc, on va faire ça. Donc, le sujet du soir, c'est les couples qui travaillent ensemble, hein, comme c'était prévu. Pourquoi, déjà, je me suis intéressée à ce sujet parmi d'autres ? Parce qu'il est, en général, pas vraiment travaillé. C'est pas un sujet qui est très étudié. Ça va intéresser surtout les couples qui ont comme projet de travailler ensemble, ou ont déjà travaillé ensemble, ou travaillent ensemble, mais qui n'ont pas forcément l'occasion de regarder précisément les avantages, les inconvénients, les écueils possibles, les obstacles, les enrichissements, voilà, et de mettre en lumière tous les points qu'on pourra éclairer ici à l'occasion de cette conférence. Donc en introduction, je voudrais dire que moi-même, je suis dans un couple où je travaille avec mon compagnon. Je travaille aussi seule, comme là, en conférence ce soir. Mais j'ai aussi l'occasion de travailler avec lui. Et donc ça m'intéressait aussi à ce titre-là de vous faire partager mon expérience. Et je connais aussi pas mal de couples finalement qui travaillent ensemble. Et je trouvais que c'était un beau thème, quoi, hein, qui n'est pas souvent abordé, qui ne concerne pas tout le monde, hein, qui est un peu élitiste, mais voilà, c'est intéressant de le donner quand même. Pourquoi travailler ensemble ? Voilà, la question qui m'est venue, je me suis dit, mais pourquoi les couples se mettent-ils à vouloir travailler ensemble ? D'où ça part ? De quelle origine ? D'un coup, il y a un élan, hein, qui se pointe chez l'un ou chez l'autre. Alors ça peut être chez tous les deux à la fois. En général, c'est plutôt un des deux qui a un élan d'un projet. Voilà, on a un projet de créer quelque chose ensemble. Et y en a un qui est probablement plus enthousiaste que l'autre, si ce n'est les deux à la fois. Mais en général, c'est plutôt un qui est partant et qui soumet son désir à l'autre au départ. Hein, et l'autre se laisse emballer. Alors, est-ce que c'est dans un début de relation amoureuse ? On sait qu'au début, on est un peu tout feu tout flamme dans l'espace fusionnel et qu'il y a un élan, un enthousiasme plus fort qui ferait qu'on aurait envie de tout déplacer des montagnes à deux. Ou est-ce que c'est une relation déjà installée et puis on aurait envie de travailler ensemble parce que peut-être ça cimente notre couple, ça permet aussi un certain aspect financier, etc. Donc la première question à se poser quand vous êtes en couple et que vous décidez de travailler ensemble, c'est de quel endroit ça part pour chacun ? D'où part l'envie ? D'où part l'élan ? Et il se peut que ce ne soit pas le même élan et le même objectif pour les deux, hein, pour les deux personnes. En général, c'est même certain, vous devriez, avant de démarrer tout projet commun, c'est de vous demander ce pourquoi chacun a dit oui au projet commun. Et à mon avis, ça ne part pas du même endroit. Hein. Parfois, et là je suis en train d'explorer avec vous les raisons pour lesquelles on pourrait avoir envie de se mettre à bosser ensemble. Dans certains couples qui travaillent ensemble, c'est « tiens, on se sent plus fort à deux, on est moins seul ». Donc, on va peut-être pouvoir bâtir quelque chose que peut-être seul, on se sentirait moins capable. Hein, on est unis, on est à deux on se sent plus fort contre le monde entier, on a plus de pêche, on peut déplacer des montagnes. Donc voilà, donc ça pourrait être partir d'un endroit comme ça pour une des personnes qui serait moins audacieuse dans le solo. Hein, avec quelque chose de « je me rends moins visible si je suis seule, à deux je m'autorise plus de visibilité » par exemple. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder, psychologiquement parlant, qu'est-ce qui se passe que la personne désire se mettre à travailler en couple, hein, de quel endroit vraiment ça part. Il se peut aussi que ce soit, moi ça a été mon cas,
Il m'a proposé, mon compagnon m'a proposé au début de la relation d'avoir un projet commun de travail. Et moi, j'étais hyper amoureuse. Et donc, ça s'est originé de là. Hein. C'était, ah oui, avec lui, je suis tellement amoureuse, je le suivrai là où il ira, j'irai, vous voyez le genre. Et ça partait d'un idéal romantique, en fait. Et très souvent, il y a des couples qui vont travailler ensemble, et possiblement sur cette raison-là, pour l'idéal fusionnel romantique. Donc, alors, est-ce que c'est la femme et l'homme? Moi, je ne sais pas si c'est plus féminin que masculin, peu importe. Ça peut être un homme qui est dans un idéal romantique à fond et qui se dit, oui, voilà, c'est tellement fusionnel, nous allons créer un couple mythique, parce qu'il y a des couples mythiques. Et peut-être qu'il pourrait y avoir un idéal romantique à former un couple mythique, qui laissera des traces jusqu'à la fin des temps, par exemple. Hein. Ça peut être ambitieux jusque-là, ou ça peut partir d'un autre endroit beaucoup plus stable, qui est, à deux, on est plus fort, et donc on va créer un projet qui va nous mettre en sécurité financière aussi, on va s'établir, on va s'installer, voilà. Faut pas oublier qu'à une certaine époque, à l'époque de nos grands-mères, même avant, même antérieurement, c'était assez simple de s'installer en famille, au niveau professionnel. Donc, c'était pas rare de voir des couples travailler ensemble, hein, au niveau des professions libérales, que ce soit dans les boulangeries, même encore aujourd'hui, mais moins. Boulangerie, charcuterie, boucherie, coiffeur. Il y a pas mal de professions libérales comme ça qui s'associent, même dans d'autres professions libérales, hein, médecins, avocats, etc., pour travailler ensemble. En tant que couple, mais à une époque antérieure, c'était plus une association, je dirais, qui était sous forme plus familiale ou traditionnelle. C'est-à-dire que il y avait une place souvent de subordination. C'était pas une vraie place égalitaire. Hein. L'homme et la femme ne travaillaient pas égal. Souvent, hein, c'était pas considéré comme ça. Voilà. Mais les mœurs ont changé. On arrive dans une époque où, en général, maintenant, quand les couples travaillent ensemble, il faut regarder le pouvoir d'égalité, les rapports de pouvoir dans le couple. Parce que s'il y a un lien de subordination, comme à l'époque d'avant, ça va moins marcher, à mon avis. Hein. Ou alors, ça va marcher un temps, mais ça risque de mettre en danger le projet couple. Justement. Donc ça va être des... On va regarder ensemble, on va explorer ensemble, justement, les éventuels écueils, ou les interrogations, les points à explorer avant de se mettre à travailler en couple. Parce que le lien de pouvoir, si l'un prend le pouvoir assez rapidement sur l'autre, en le mettant en subordination, ça va pas forcément marcher longtemps. Ou alors, il y en a un qui est soumis et l'autre qui est un peu au-dessus, là, comme ça. Mais ça peut questionner, hein, le couple. Voilà. Donc d'où ça s'origine, d'où part l'élan, et chacun doit s'interroger sur, avant de dire oui, on part ensemble, pourquoi je le veux, pourquoi je le fais, pourquoi je suis d'accord. Est-ce que ça peut être aussi, je me mets en sécurité, ce projet couple me sécurise, voilà, j'ai plus peur. Et donc peut-être à deux, avec lui, avec elle, voilà, je suis en sécurité. Alors ça peut être ça. Ça, c'est pas forcément une bonne idée, à mon avis, hein. Si vous travaillez ensemble parce que vous sentez plus en sécurité, ça part d'une peur. Il vaut mieux que vous ayez plutôt un enthousiasme à vouloir vous mettre au monde et à exprimer le meilleur de vous-même à deux, c'est-à-dire décupler vos forces à deux, parce que c'est vrai que à deux, on peut vraiment créer des bébés, quoi. Et ce ne sont pas des bébés, mais ce sont des bébés professionnels, quoi. Hein? Y a quelque chose de l'idéal romantique, certes, dans les couples qui travaillent ensemble, souvent, mais il peut y avoir aussi quelque chose d'extrêmement riche, hein, qui n'est pas forcément vu, qui est, rendre le meilleur, redistribuer le meilleur de ce que notre unité a deux formes. C'est-à-dire qu'on vient s'enrichir à l'intérieur de notre intimité, hein, et on va créer quelque chose et le redistribuer et l'offrir au monde. C'est-à-dire, reconnaître nos talents et nos compétences individuelles. Et c'est pour moi un idéal. Ça, c'est vraiment le couple
mythique entre guillemets, hein, le couple créatif, hein. C'est-à-dire qu'on crée du meilleur à l'intérieur de notre couple, on a chacun reconnu nos deux talents, on a nos talents propres, notre individualité propre, on vient reconnaître ça, et ensuite dans un deuxième temps, on vient l'offrir au monde. Donc on est capable de vraiment d'exprimer le meilleur de nous-mêmes, et ça se décuple à deux. Voilà, donc ça c'est l'idéal pour moi du couple qui travaille ensemble, ce qui est quand même pas toujours le cas. Si ça part d'un endroit où on veut juste se mettre en sécurité et que ça part d'un endroit financier, hein, il faut voir si, d'où ça part. Souvent il y a des couples qui peuvent se mettre ensemble parce qu'ils se disent « bon ben au moins on va gagner de l'argent, ça va être plus tranquille, on va pouvoir assurer financièrement ensemble ». Bon, alors vous avez des couples comme ça qui fonctionnent comme ça. Bon, c'est la sécurité financière qui les mobilise, mais on n'est pas ici dans la création, hein, dans « on veut offrir le meilleur ». Voilà. Donc c'est pour ça que la première question qui est à t'interroger, c'est d'où ça part. Ensuite, j'avais marqué ici « est-ce que j'ai du plaisir ?» Deuxième point à aborder, « est-ce que j'ai plaisir à travailler avec mon partenaire ?» Que je connais tellement. Parce que quand on travaille à deux, ben, on se voit, on se fréquente souvent. Donc est-ce qu'on aurait encore plaisir à partager plus que ce qu'on partage déjà? La question du plaisir va être importante, hein, parce que si vous ne trouvez pas assez de plaisir dans le partage professionnel, ça peut se transformer vite en terrain de dispute, en terrain conflictuel, en prise de pouvoir, et saborder le projet et votre couple qui peut partir en live aussi à cause du projet professionnel. Donc c'est important de réfléchir à est-ce qu'on est capable d'investir et d'insuffler du plaisir en même temps qu'on travaille ensemble. Il y a beaucoup de personnes, quand on les interroge en disant « oh là là, est-ce que vous seriez partant pour travailler avec votre partenaire de couple ?» Il y a beaucoup de personnes qui disent « non, moi, oubliez-moi, jamais de la vie, c'est horrible, déjà qu'on se voit assez dans la journée, le soir ça suffit, il va me bouffer mon espace, hein, si en plus on travaille ensemble et on est tout le temps ensemble, on va mourir là-dedans, quoi, on va être absorbé dans la fusion. » Donc il y a la majorité des couples qui vont vous dire « non, c'est horrible de travailler ensemble, on en fait assez ensemble, là on se voit assez, on a déjà les enfants ensemble, on se voit tous les week-ends, tous les soirs, on ne va pas rajouter une couche. Mais il y a quand même des couples qui parient, hein, qui osent parier sur le work couple, quoi, hein. On va se cimenter aussi par le projet professionnel. Pour moi, ça peut être un vrai ciment, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être vraiment... un ciment du couple beaucoup plus que simplement voilà, on passe du temps pour passer du temps, parce qu'on va partager beaucoup et on va partager encore plus que les autres qui partagent, mais justement l'argument qui consiste à dire mais si on est tout le temps ensemble, on va se bouffer, on va s'absorber, on va être trop ensemble, à un moment donné ça, trop de fusion tue le couple. On peut s'interroger sur l'inverse, hein. On peut se demander si les couples qui ne passent pas assez de temps ensemble ou qui ont chacun des sphères professionnelles séparées, hein, et qui sont presque des fois surinvestis dans leur boulot chacun de leur côté, moi j'en ai comme ça, et qui se retrouvent à la retraite par exemple et qui n'ont presque rien partagé ensemble, si ce n'est que la logistique familiale et puis quelques temps comme ça en commun, qui se connaissent finalement assez peu, si ce n'est que de façon superficielle, qu'est-ce qu'ils partagent ensemble ? Hein? Donc on voit qu'à notre époque on est quand même très très pris par nos boulots les uns les autres, hein, puisque la femme elle travaille souvent autant que l'homme, donc on voit qu'on est très pris professionnellement, hein, et donc moi je trouve qu'au jour d'aujourd'hui la question qui se pose c'est à quel moment on se voit, quoi, quand on est en couple, à quel moment on partage du vrai temps, un vrai temps d'intimité et un vrai temps de consécration à notre couple. Et c'est vrai que le fait de pouvoir offrir des sphères de travail ensemble, de créativité quelque part ensemble, voilà, ça veut dire qu'on va partager encore plus d'intimité avec l'autre. Mais ça va mériter, des points qu'on va aborder ici qui sont est-ce qu'on peut vraiment s'aimer ensemble de manière à pouvoir gérer la relation professionnelle aussi ? Parce qu'on va devoir quand même se supporter, entre guillemets, encore plus de temps que d'habitude. Il y aura encore plus de moments. Et il y aura peut-être des moments où ça va crisper.
selon nos névroses personnelles et notre cadre de référence, comment on voit les choses, ça peut crisper par moment, parce qu'on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de points. Hein? Et donc, il faut savoir gérer les disputes, gérer les désaccords, être assez souple, avoir une certaine souplesse et un accueil de l'autre tel qu'il est. Parce que si on est déjà, d'ores et déjà, même quand on est en couple, sans bosser ensemble, très énervé parce que l'autre ne pense pas comme nous, ne voit pas les choses comme nous, et qu'on est déjà à deux doigts de le rejeter parce qu'il ne pense pas comme nous, ça va être compliqué quand on va se voir encore plus en travaillant ensemble. Parce que là, travailler ensemble, c'est qu'on met beaucoup, beaucoup en commun. Il y a encore plus d'enjeux en général. Donc c'est vraiment important de bien se connaître, mais aussi de savoir faire vivre l'amour entre nous deux. Et donc de savoir gérer les disputes, de savoir communiquer, d'être tolérant face à l'autre, de voir que ton cadre de référence n'est pas mon cadre de référence. Et il va falloir jouer la carte de la complémentarité. Voilà, un couple pour moi est capable de se cimenter par le professionnel si et seulement si ils ont des rôles complémentaires. Mais vraiment, hein, si chacun occupe une certaine place qui n'est pas la place de l'autre, qui est suffisamment complémentaire, qui n'est pas la même que l'autre, parce que si vous êtes sur la même note que l'autre, hein, si vous avez la même couleur que l'autre, si vous êtes trop similaire à l'autre, bah vous êtes comme votre partenaire, ça ne rajoute pas quelque chose. Si vous êtes trop différent de l'autre, hein, si vous êtes complètement en grand écart sur des valeurs, que vous êtes tellement inversé que vous n'arrivez plus à vous rejoindre sur vos valeurs, bah à ce moment-là, vous n'avez plus la complémentarité non plus. Donc entre trop de similitudes et trop d'écart, voilà, c'est là où se joue la juste place de complémentarité. Et en général, il faut que vous soyez dans des notes de couleurs différentes, mais qui soient vraiment complémentaires, que ça enrichisse, voilà, qu'il n'y ait pas une compétition, mais une complémentarité. Et c'est ça qui va se jouer, c'est ça que je veux pointer, parce que très souvent, il peut y avoir une problématique de place. Moi, je le vois dans mon couple, quand je travaille avec mon compagnon, on peut être souvent amené à s'interroger sur est-ce que je suis à ma place ? Est-ce qu'il ne prend pas ma place ? Est-ce qu'il me donne ma place ? Est-ce que je me donne ma place ? Est-ce qu'on est en compétition pour notre place ? Donc cette histoire de place, elle est vachement importante à regarder. Est-ce que vous vous sentez vous-même à votre place déjà sans votre compagnon ? Est-ce que vous vous donnez et validez votre place ? Ou est-ce que vous attendez qu'il vous donne votre place ? Ou elle vous donne votre place ? Hein ? Et est-ce que vous n'êtes pas en compétition pour la place ? Ça va être très important par rapport à l'estime de soi. Donc avant tout projet professionnel, il faut déjà régler ces problèmes d'estime de soi, chacun. Parce que sinon vous allez prendre le pouvoir sur la place. Moi je veux toute la place, et toi je t'en donne un petit peu, moi voilà. Hein. Et regardez que quand vous voulez la place comme ça, hein, si vous êtes en couple, pour qui vous le faites hein? Ça aussi, c'est à interroger, non seulement l'histoire de la complémentarité, est-ce qu'on est un couple complémentaire ou pas ? Est-ce qu'au niveau de la place, est-ce qu'on est capable de laisser la place à l'autre ? Que chacun a son rôle clair, et oui, que ce soit clair et délimité. Hein. Moi, j'ai ma place, je fais ça, jusqu'où je vais, et toi, ta place, c'est ça, jusqu'où tu vas. Parce que sinon, vous risquez de vous marcher sur les plates-bandes, et ça ne va pas le faire. Et il faut vraiment s'affirmer sur ça, c'est ma place, et ça, c'est ta place. Sinon, il va y avoir des conflits de place. Donc ça, c'est important. Donc ça renvoie à l'estime de soi. Et la deuxième chose aussi qu'à regarder, c'est quand je suis en train de travailler avec toi, ça me permet quoi ? Parce qu'en général, si on fait ça, c'est qu'on cherche à obtenir des signes de reconnaissance à l'extérieur ou à l'intérieur du couple. Donc regardez... qu'est-ce que vous cherchez ? Après quoi vous courez quand vous travaillez en couple ? Vous courez après les signes de reconnaissance de votre partenaire, qu'il soit fier de vous, qu'il vous trouve magnifique, merveilleux, merveilleuse, qu'il vous complimente, qu'il vous aime encore plus, qu'il vous admire encore plus ? Ou est-ce que vous courez après les signes de reconnaissance du public, des clients, du monde entier ? Donc pourquoi vous le faites ? Pourquoi vous travaillez avec l'autre ? Et qu'est-ce que vous cherchez ? Vous courez derrière quoi ? Ça aussi, ça doit être vu. Hein. Parce qu'en général, ça c'est méconnu. On ne regarde pas ce point-là. On se met à bosser ensemble, mais on ne regarde pas tout ça. On ne sait pas pourquoi, après quoi on court. Donc regardez précisément, vous courez après quoi ?
Moi, je sais que je cours après son regard à lui, hein. Parce que moi, je suis partie sur... je travaille avec lui parce que je suis amoureuse de lui et je veux absolument qu'il me regarde encore plus. Et moi, mon regard est tourné sur la relation. Alors que lui, son regard... Bon, c'est un homme, mais bon, peu importe. Hein, son regard est tourné vers le monde extérieur. Donc lui, il est intéressé pour la satisfaction du public. Bon, pour le monde extérieur. Et moi, je suis tournée sur... moi, je le regarde lui et lui, il regarde les autres, en fait. Hein. Ça se passe comme ça dans notre couple à nous. Bon, c'est un exemple. Hein. Mais regardez, dans votre couple, si vous êtes en couple et que vous travaillez ensemble, de quel endroit ça part, hein. Est-ce que vous êtes tout regard fixé sur le monde extérieur? Vous cherchez de l'admiration extérieure et des signes de reconnaissance là? Ou est-ce que vous cherchez de l'admiration là, chez votre... C'est pas la même chose. Ça va pas donner la même chose. Vous allez être beaucoup plus sensible, vous allez être orienté public et satisfaction clientèle. Et donc, les conflits aussi vont s'originer de cet endroit-là. Donc ça, c'est des questions à vous poser et à vous poser en couple. Normalement, ça serait bien de faire des points de régulation quand vous travaillez en couple qui seraient, tiens, on va mettre en clarté pourquoi on le fait. Et qu'est-ce qu'on cherche? Et après quoi on court? Ça nous permet quoi? Et ça va nous empêcher quoi? Voilà. Toutes ces questions-là sont intéressantes à se poser quand on travaille en couple. Donc, je reviens un peu sur ce que je disais au début, parce que quand j'ai traité de ce sujet, on m'a dit « Oh là là, moi, je ne veux pas du tout travailler en couple, mais quelle horreur !» C'est surtout ça, hein, qu'on entend dans les médias. On entend surtout « Surtout pas, on va se prendre la tête, c'est trop fusionnel, etc. » Voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait risquer? Quels seraient les inconvénients à travailler en couple? Ben alors, moi j'en ai relevé, hein. J'ai parlé de problèmes de place, il pourrait y avoir des problèmes, il n'y a pas assez de plaisir, on ne trouve pas assez son compte, on n'a pas assez de plaisir, on ne fait que bosser, voilà. On est dans le labeur, on est dans l'effort, on veut gagner de l'argent, donc on ne fait que bosser tout le temps, et du coup on n'a plus assez de plaisir et de temps pour nous en couple. Ça aussi, ça peut être un écueil qui serait, on passe plus assez de temps pour l'intimité du couple, mais on fait plus que bosser ensemble, on bosse. Et nous, alors là-dedans, on passe du temps en vacances, on passe du temps qu'à deux, quand? Voilà. Hein, donc à un moment donné, on pourrait couler dans le fait de faire que bosser ensemble. Voilà. Les écueils éventuels que j'ai repérés, mais vous allez m'en trouver d'autres, hein. Je compte sur vous, ça serait des problèmes d'autonomie aussi. C'est-à-dire que, comme je le disais, hein, c'est les rapports de pouvoir. Hein, s'il y en a un qui est subordonné à l'autre, est-ce qu'il se sent assez autonome? S'il y en a un qui est dépendant affectif notamment, est-ce qu'il est assez autonome? Donc, est-ce qu'il se soumet ou pas? Voilà. Donc ça, c'est embêtant dans les couples qui travaillent ensemble, s'il y en a un soumis et pas l'autre, indépendant et pas l'autre, parce que justement, ça va donner des pouvoirs. Il y en a un qui contrôle l'autre. Et voilà, pour moi, c'est un écueil d'avoir un des deux qui contrôle. On n'est pas sur un système égalitaire. On est sur un système de transaction parent-enfant. Hein. Un qui se fait contrôler par l'autre et qui se soumet et qui, à un moment donné, va faire payer. J'ai une question. Quand vous parlez de regarder dans la même direction, enfin, dans des directions qui sont différentes, on n'a pas, je pense, le même investissement quand on regarde l'autre parce qu'on l'aime, parce qu'on veut lui prouver qu'on est brillant et on veut qu'il en soit sûr. On a un regard différent de celui qui regarde le monde et qui a les bras ouverts vers le monde. Donc est-ce qu'on peut arriver à fonctionner en ayant des regards qui divergent? Oui, c'est ce que je vis. Oui, c'est possible. C'est tout l'intérêt de la complémentarité, de la différence, de la différenciation. C'est-à-dire, on s'unit sur la différence, on ne s'unit pas sur le similaire. On est vraiment différent, on est tellement différent que finalement on s'enrichit l'un de l'autre dans la différence, mais on est au clair de la différence. Et on a conscientisé nos différences et on s'en amuse même. C'est ça qui peut être chouette, c'est de pas vouloir rendre l'autre du similaire. On ne veut pas chercher à ce que l'autre soit comme nous et ait la même vision que nous, mais on s'amuse de la différence. On dit, bah, puisque tu ne vois pas comme moi, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt chouette et c'est ça qu'on va faire passer au monde. C'est ça qui est créatif, en fait. C'est pas tellement qu'on voit les choses de la même manière. Parce que si on voit les choses de la même manière, autant travailler seul. Hein. Ce qui va être enrichissant, et ce qui va plaire, et ce qui va
d'ailleurs être lucratif en général, parce que qu'est-ce qui plaît à l'extérieur, c'est quand on est vraiment complémentaire et différent. Sinon, on n'apporte rien de plus que, on n'apporte pas une plus-value, on n'apporte que sa valeur individuelle. Voilà. Donc pour que le couple soit vraiment enrichi, c'est que c'est 1 plus 1 égale pas 1 égale 2. Et on fait 1 plus 1 égale 1, bon, on est archi-fusionnel, on voit tout pareil, on pense tout pareil, bon, on fait tout pareil, ben autant on s'éteint l'un l'autre, on s'allume pas, on met pas de la lumière, on s'éteint, on s'étouffe là-dedans. Ça n'a pas d'intérêt, c'est vraiment deux notes différentes qui s'ajoutent l'une à l'autre et qui s'illuminent l'une de l'autre, qui s'enrichissent l'une de l'autre. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Hein. Après, ça, c'est l'idéal. Et c'est pas toujours comme ça que ça se passe, malheureusement, parce qu'il y a bien des couples qui vont travailler ensemble sur des raisons beaucoup plus basiques, qui sont, bah oui, si on veut s'installer, faut qu'on monte une boutique, ben voilà, il vaut mieux qu'on travaille ensemble pour se sécuriser financièrement. Mais ils sont pas dans la créativité, là, ils sont plutôt sur le mode de survie. Et moi, voilà, on va vous rappeler la théorie de Maslow. Donc là, ils sont sur des besoins de survie pour gagner de l'argent, hein, on se met ensemble, et après on verra. Et moi, je parle plutôt d'un projet de créativité. Hein. On se met ensemble parce que déjà, on gagne assez d'argent en solo, mais on a envie vraiment de créer quelque chose de plus à deux, c'est-à-dire de redistribuer le meilleur de nous-mêmes à l'extérieur. Là, on est plus dans la créativité, on est plus dans l'accomplissement. Hein. C'est un autre projet, c'est pas la même chose. Voilà. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de s'interroger. Et c'est pas parce qu'un couple part d'une base sécuritaire financière qu'il peut pas... ensuite grandir dans un espace beaucoup plus créatif, hein, il n'y a pas de souci. Donc j'étais en train de visiter les écueils avec vous, hein. Donc les histoires d'autonomie, est-ce que chacun est autonome, est-ce que chacun à l'extérieur du couple, professionnel et personnel, a ses espaces d'autonomie propres, parce que si vous passez beaucoup de temps, parce qu'il faut voir qu'un couple professionnel c'est aussi un couple qui passe beaucoup de temps ensemble, hein. Donc si vous passez du temps déjà en couple, en famille, et puis du temps professionnel, qu'est-ce qui vous reste comme temps personnel ou comme espace personnel en termes d'activité propre, en termes d'amis propres, de réseaux propres, voilà, qu'est-ce que vous ne partagez pas ensemble, parce que c'est important quand même de rester dans son individualité, dans sa singularité, même si on est à deux. Sinon, vous allez vous faire absorber par le deux. Et il se trouve aussi, c'est toujours un schéma que je fais régulièrement. Je vais prendre un stylo. Ouais, un couple, s'il est trop, ça c'est les limites du couple. Hein. S'il part trop vers l'extérieur, voilà. Si les deux individus, voilà, partent chacun trop à l'extérieur, ben ils partagent plus grand chose ensemble. Quelle est la sphère en commun, voilà. Donc dans les couples où ils travaillent pas ensemble et ils se voient peu. Finalement, très souvent, au bout d'un compte, chacun fait sa vie de son côté et ils n'ont presque plus rien à partager en commun. Même pas d'activité, très souvent. Bon, ça s'appauvrit. Dans les couples qui partagent tout ensemble, et là, ça pourrait être le cas des couples qui travaillent ensemble, à force qu'ils mettent tout en commun, ils n'ont plus d'espace à l'extérieur. Ils n'ont plus de relation avec le monde extérieur. Donc, ils pourraient s'appauvrir à terme si chacun ne sait pas conserver son autonomie à l'intérieur du couple. Voilà. Donc ne vous laissez pas absorber par le temps passé ensemble, si vous travaillez ensemble, conservez des espaces, et ça c'est très très important, hein, où vous avez aussi le sentiment d'exister à part entière, indépendamment de l'autre. Sinon vous déteignez sur l'autre, à force d'être toujours ensemble, hein, vous limitez, vous déteignez, à force de déteindre, vous faites 1 plus 1 égale 1. Voilà. Et en même temps, ce que je disais va être important, et en même temps... C'est toujours l'équilibre de la sphère professionnelle et personnelle. Ok, on passe du temps à travailler ensemble, mais il faut quand même qu'à l'intérieur de notre couple, on ait aussi du temps pour les vacances, du temps pour être qu'à deux, et on ne fait plus... à un moment donné, il faut faire switch off, quoi. Il faut arrêter de bosser. Et à la fois, ce que je suis en train de dire, c'est vrai et c'est faux, parce que pour certains couples, notamment, moi je le vois pour mon couple, on est capable, mais ça c'est nous, c'est pas le cas pour tous les couples, de passer très vite du mode professionnel au mode personnel. En 2 secondes, on mélange, hein, donc un coup on parle boulot, puis à la minute d'après on est perso, et puis on repart boulot, puis on est perso. Donc chez nous tout est mélangé et ça marche bien comme ça. Mais ça veut dire qu'on est capable de switcher, hein, de passer d'un mode à un autre très facilement. Il y a des couples qui ne peuvent pas switcher. Quand ils sont pas toltat, ils ont du mal. Quand ils sont au boulot,
ben, ils sont au boulot, mais ils sont perso. Quand ils sont perso, ils sont encore au boulot. Voilà. Donc, y a, pour certains couples, il faut vraiment qu'ils mettent des limites entre là, c'est perso, là, c'est boulot. Et pour d'autres couples, ils vont avoir des qui vont avoir comme nous des compétences à mélanger, à passer vite d'une sphère à une autre. Voilà, ça va être possible. Mais ça, c'est à vous d'évaluer ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. En tout cas, c'est important de conserver des temps personnels où vous avez du plaisir à être ensemble, sans faire quelque chose de spécial, mais juste être ensemble. Et on peut être ensemble quand on travaille aussi. Ça dépend du métier que vous exercez. Nous, ça fait 3-4 ans. Mais on a des espaces personnels, chacun individuel. On ne travaille pas tout le temps ensemble, mais on travaille souvent ensemble. Bon, ça crée des liens hein, quand même, hein, et ça peut aussi occasionner à la fois plus de disputes, plus de désaccords, mais à la fois quelque chose qui ne peut pas arriver dans les couples traditionnels, qui est que, en fait, comme vous voyez votre partenaire à son meilleur normalement, parce qu'il donne, enfin, on donne beaucoup au travail en général, on donne beaucoup de soi, hein, donc vous voyez aussi quelqu'un qui peut être très inspiré. Très sexy quelque part, parce que très inspiré, très créatif, très à son meilleur, investi dans son travail, que vous ne le verriez pas sur cette facette-là si vous le voyez que le soir, après le boulot éteint, quand il revient à la maison, à 6-7 heures le soir, il n'en peut plus, alors qu'il a tout donné à son boulot. Donc finalement, c'est des endroits aussi où vous pouvez être très dans « Ah ouais, il est inspiré, il est vraiment à son top », et donc continuez d'admirer votre partenaire encore plus, parce que vous l'avez sous le coude, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, bon, moi, c'est mon cas. Hein. Moi, je suis assez fan de... Mais je le vois tellement à son meilleur, quoi. C'est sexy de le voir aussi brillant. Et probablement, si je ne le voyais pas travailler avec moi, je ne verrais pas ça, cette face-là. Hein. Donc, bon, voilà. Ça peut être aussi l'envers du décor, quoi. On s'imagine, oui, on bosse ensemble. Bon, c'est un peu plan-plan... mais ça peut être pour le meilleur et pour le pire, hein, comme pour le contrat de mariage. Donc pour le meilleur, on le voit sur des facettes qu'on ne verrait pas. Hein. Ça peut être aussi très sexy de voir son partenaire briller de tous ses feux pour des projets professionnels où il va se mettre en avant, où il va vraiment être dans sa singularité, puisqu'il est... il est au bon endroit, quoi, hein, dans sa sphère professionnelle. Voilà. Donc, ça peut être intéressant aussi. C'est souvent pas vu comme ça, mais c'est pour ça que je vous donne cet éclairage aussi. Ça peut être une manière de faire continuer le désir et l'admiration dans le couple, être fier d'être avec l'autre, d'être avec quelqu'un qu'on admire toujours et encore, que peut-être dans les couples traditionnels, il n'y a plus. Peut-être ça s'éteint, ce côté « je t'admire » ou ça s'éteint plus vite. Comment stimuler, hein, ça peut être vraiment ce qu'on appelle l'émulation. Ça peut être un désavantage. Ça peut être vraiment l'occasion d'avoir beaucoup plus d'émulation et encore plus de désir pour l'autre, parce qu'on se stimule l'un l'autre, on s'admire l'un l'autre, on se voit, on s'enrichit, on a envie que l'autre soit encore plus meilleur que ce qu'il est, on le soutient. Il peut y avoir de ça aussi dans le couple, hein. Une véritable émulation, et ça peut être vraiment une création, un chef-d'œuvre à deux, quelque chose de vraiment magique. Bon, moi, ce que je peux témoigner, c'est que j'ai beaucoup de gratitude pour que ce que l'on se donne à vivre en couple, parce que, ouais, franchement, il y a vraiment beaucoup de ces ingrédients-là, hein, de soutien, de « je reconnais tes talents, je te reconnais dans tes talents, tu me reconnais dans mes talents, et j'ai envie que tes talents soient vraiment redistribués, hein, on se complète et on se soutient. Je crois que la notion du soutien et de bienveillance, elle doit être aussi très très importante si on veut travailler ensemble. Et comment on est vraiment bienveillant avec l'autre. Même bienveillant, ça veut dire que parfois, si vous avez envie de lui tordre le cou, vous pouvez lui dire, mais vous restez dans la bienveillance quand même. Parce qu'on a des cadres de référence, puisqu'on est différents. On a des cadres de référence chacun, puisque vous travaillez en couple, vous êtes différentes, vous avez des cadres de référence différents. Cadres de référence, ça veut dire qu'on n'a pas la même vision du monde. Mais ce n'est pas grave, est-ce qu'on peut rester bienveillant avec chacun un cadre de référence différent ? Voilà, bienveillance, la bienveillance va être vachement importante. On se soutient même si on ne voit pas les choses de la même manière, tout le temps. On peut avoir des valeurs communes et on peut avoir des valeurs qui ne sont pas communes. Et ça peut ne pas être grave, au contraire, ça peut être complémentaire.
Mais rester dans la bienveillance, ça c'est un des points fondamentaux. Même si de temps en temps, vous avez envie de lui tordre le cou parce qu'il vous agace au plus haut point. Et ça peut être normal. On ne peut pas être toujours lisse, toujours cheese, toujours sweet, toujours « Ah ouais, c'est super ce que tu fais ». Donc c'est normal aussi qu'il y ait des désaccords. Est-ce que vous êtes capable de passer du désaccord à la bienveillance, hein, et de rester dans un cœur ouvert, même quand vous travaillez à deux, plutôt que de vous énerver sur l'autre, vous énerver, et d'avoir vraiment envie de lui tordre le cou, qu'il ne fait pas ce que vous voulez, quoi. Il n'est pas comme vous voulez qu'il soit. Voilà. Donc, mais ça, c'est valable pour tous les couples, mais encore plus quand vous travaillez ensemble, parce que c'est encore plus fréquent, parce qu'il y a encore plus d'opportunités de lui en vouloir, qu'il ne voit pas les choses de la même manière que vous, alors que vous êtes sûr que vous avez raison. Voilà. Donc dans tous les couples va être vraiment, et non, notamment dans le couple professionnel, le moment de regarder est-ce que je sais communiquer de manière non violente, est-ce que je sais rester dans ma bienveillance jusqu'au bout, est-ce que je sais ne pas vouloir exiger du changement chez l'autre, le prendre à l'endroit où il est, même s'il n'est pas d'accord avec moi. Est-ce que je lui en veux pas pendant des heures et des heures et je reviens pas sur le sujet? Il y en a qui sont obsessifs, hein. Il y a des personnes, elles lui en veulent, et puis j'ai raison. Est-ce que vous voulez vraiment avoir raison et gagner votre bras de fer, hein? Parce que ça peut vite devenir des luttes de pouvoir et j'ai raison, t'as tort, ou rester en amour. Rester en amour, ça veut dire lâcher le j'ai raison, t'as tort. Voir qu'on est différent et des fois on ne peut pas accorder nos violons parce qu'on est différent, point barre. Et il n'y en a pas un qui a raison, il y a deux visions différentes. Donc ça, ça va être vraiment important. Pour moi, ça c'est un des points fondamentaux. Hein. Je ne veux pas avoir raison sur l'autre forcément tout le temps. Parce que la tentation va être grande de vouloir avoir raison sur son point de vue. Et de dire, moi ce que je vois c'est vrai, toi ce que tu vois c'est faux. Tu ne fais pas correct, moi je fais correct. Donc maintenant, tu te rallies à ma cause. Et si tu ne fais pas comme ça, ça va mal se passer entre nous. Et vous rentrez le soir et vous lui en voulez, etc. Voilà. Donc à un moment donné, il va falloir apprendre à lâcher l'affaire ou à voir, il ne pense pas comme moi. Ok, c'est aussi pour ça qu'on est ensemble. Donc voilà, est-ce que chacun, on est toujours sur la place, j'ai ma place, t'as ta place, tu ne vois pas les choses de la même manière. Et est-ce qu'on peut accorder nos violons avec deux places différentes, deux visions différentes ? Et pas s'écorcher et se massacrer l'un l'autre. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut être tendancieux si vous n'êtes pas capable de prendre l'autre, d'accepter l'autre dans la différence, d'être dans la bienveillance, dans la tolérance, dans une forme de souplesse, parce que vous allez vite rentrer au niveau du boulot dans « j'ai raison, t'as tort ». Je veux que tu vois comme moi, tu dois voir comme moi, et donc prendre le pouvoir, vouloir prendre le pouvoir sur l'autre. Et ça, ça peut tuer la créativité du couple. Donc ça, pour moi, c'est un des points essentiels. Hein. Voilà. On est ici dans les problèmes de place. Hein. Il faut aussi être capable de s'affirmer. Si vous avez un des deux qui a tendance à être assez convaincant, à être dans « moi j'ai raison », etc., il faut que l'autre puisse s'affirmer, qu'il ne soit pas soumis, qu'il ne soit pas mangé dans l'œuf. S'affirmer, ça veut dire non, écoute, toi tu vois comme ça, mais moi j'ai assez d'estime de moi pour croire en moi, et tu vas pas me bouffer. Je vois différemment, mais ce que je vois, c'est ni plus ni moins, c'est juste différent. Voilà. Donc reprendre votre place. Et faites attention à cette histoire de place. Ne soyez pas en compétition de place. Il faut que ce soit équilibré, les histoires de place. Chacun a sa place, chacun son rôle, mais il n'y en a pas un qui doit bouffer la place de l'autre, dans des j'ai raison, t'as tort. Voilà. Je vois ça comme ça. Alors, les couples mythiques, parce qu'il y en a quand même, vous ne savez pas, mais moi je vous le dis, il y en a pas mal. Je vous donne des noms, parce qu'il y a des couples mythiques, et peut-être que vous vous êtes assemblés, ou vous allez avoir envie, après cette conférence, de vous mettre en projet couple. Les couples connus, des couples qui sont des mythes, qui sont devenus des mythes. Des couples qui travaillent ensemble et qui sont vraiment des couples mythiques, soit des personnages symboliques, soit des vraies personnes, des vedettes ou des personnages politiques qui se sont mis en couple et qui sont connus. Et justement, je disais, parfois, vous savez comme les symboles peuvent jouer, hein, ou les stars, etc. On peut se dire, tiens, voilà, moi, j'aimerais, mon rêve, mon idéal, c'est de former un couple mythique qui ressemble à ce couple-là. Hein. Donc, je vous donne quelques noms célèbres. Et peut-être que ça va vous donner envie. Alors les couples connus, genre Bonnie and Clyde, hein,
Ça donne des couleurs. Hein. Jane Birkin et Serge Gainsbourg, France Gall et Michel Berger, Saint-François d'Assise et Sainte-Claire. Mais il y en a hein, des alors aujourd'hui. Hein. Mais ils sont mythiques, ça veut dire qu'ils sont, ils sont restés. Là, je ne prends pas des, des actuels. John et Jackie Kennedy, John Lennon et Yoko Ono, Martin Luther King et Coretta Scott, c'était sa femme. Winston Churchill et Clémentine Churchill, hein, ils étaient mariés, c'était un super couple. Barack et Michelle Obama et Barack Obama, hein, ils sont encore en vie eux. Et Bill et Hillary Clinton. Il y en a d'autres, hein, c'est des exemples là, que j'en ai trouvés en réfléchissant, et vous allez en trouver d'autres. Et peut-être, si vous travaillez en couple comme ça, ça pourrait être intéressant de voir, et mes modèles de couple mythique, c'est quoi pour moi ? Est-ce que je m'éloigne ou est-ce que je me rapproche de mon couple idéal, sachant qu'évidemment, vous êtes dans une histoire d'idéal et on est toujours, on n'est jamais dans l'idéal, dans le réel. Hein. Mais ce n'est pas grave, ça fait rêver. Et donc, ça donne une idée de ce à quoi on a envie de se rapprocher dans l'absolu. Donc, ça peut être sympa de dire, voilà, moi, je rêve de former ce couple-là et c'est un peu pour ça que je me mets avec toi dans l'idéal. Voilà, parce que j'aimerais ressembler à ça. Parce que le rêve, bon, à la fois, c'est bien de distinguer le rêve du réel, mais le rêve est porteur d'une énergie. Quand on rêve de quelque chose, on a de l'énergie et on est prêt à transcender, à déplacer des montagnes parce qu'on a de l'énergie, on a la pêche. On se dit, waouh, ouais, super, on y croit, on est enthousiaste, on va y arriver, voilà. Et les couples qui travaillent ensemble, il y a souvent, au départ, sauf pour ceux qui se sont mis pour l'argent ensemble, un idéal romantique fusionnel. Hein. À deux, on va tout, voilà, tout le temps, tout ensemble, le meilleur pour tout, nous serons unis pour le meilleur. Voilà, genre Bonnie and Clyde, quoi. Hein. Et nous allons rêver et nous laisserons une trace à la terre entière grâce à notre couple merveilleux que nous allons fonder. Voilà. Et c'est vrai que pour certains, notamment ceux dont j'ai cité, hein, ça les a vraiment cimentés, le fait de bosser ensemble. Hein, c'est le ciment du couple, je vous rappelle, c'est aussi essentiel de regarder à quel endroit mon couple se cimente. Est-ce que c'est dans la sphère sexuelle ? Est-ce que c'est dans la sphère intellectuelle ? La sphère spirituelle ? Est-ce que c'est dans la sphère professionnelle ? Donc tiens, ça peut être un ciment hein, supplémentaire de partager un projet professionnel s'il est riche, hein, s'il est créatif. Si vous ne tombez pas dans les écueils que j'ai pointés, ça peut être vraiment quelque chose de très chouette à partager et de très enrichissant. Et c'est vrai qu'à deux, on peut vraiment donner encore plus que ce qu'on pourrait donner tout seul. En tout cas, c'est ce qui était vraiment mon cas. Et si je peux témoigner, justement, c'est vrai que personnellement, moi, dans mon expérience, c'est ça que j'ai vécu. Hein. J'ai vécu un tel soutien de la part de, des hommes. Il y a eu des hommes hein, dans ma vie qui m'ont aidée professionnellement. Et j'ai reçu un tel soutien que ça m'a décuplé mes moyens, en fait, mes talents, etc. Parce qu'en fait, quand on travaille ensemble, s'il y en a un qui croit en l'autre, il vous donne cette énergie. Je crois en toi, je crois en toi, je te soutiens, je te coach, en fait. Et du coup, ça vous donne vraiment... la capacité de croire en vous. Hein. Si l'autre croit en vous, ça vous donne encore plus de valorisation, d'encouragement, comme un bon parent, en fait, qui vous soutient tout le temps. Et du coup, vous y allez, quoi. Quelqu'un y croit en vous, ok, j'y vais. Hein. Ça facilite grandement l'estime de soi. Mais il faut qu'il soit soutenant plutôt que d'être destructeur. Hein. Il ne faut pas qu'il vous dise, mais t'es nul, mais tu n'y arrives pas, mais t'as vu comme tu fais. Voilà. Donc, c'est l'inverse. Hein. Il ne faut pas que votre partenaire de couple vous accuse et vous blâme. Il faut qu'il soit vraiment dans « je crois en toi » et j'ai vraiment envie que tu donnes le meilleur de toi-même au travers de notre projet couple. Sinon, ça va être terrible, ça va vous massacrer encore plus. Hein. Vous voyez, comme quoi ça peut vite basculer dans l'inverse. Hein. Soit ça peut donner quelque chose de magique, soit ça peut basculer dans l'enfer. Hein. Donc, à vous de voir quelles sont vos compétences, jusqu'où c'est possible, et de ne pas vous lier avec un partenaire qui pourrait être non seulement l'inverse du soutien, mais quelqu'un qui vous massacre, en fait. Hein. Et que vous sortez de là complètement abattu. Voilà. Mais bon, ça veut dire beaucoup de bienveillance, beaucoup de soutien, beaucoup d'admiration. OK. OK, je vous laisse un petit temps pour poser vos questions, si vous en avez, hein, ou de vos témoignages, puisque pour ceux qui travaillent en couple, là...
Ou vos peurs aussi, vos appréhensions, vos peurs Moi j'ai mon frère, je parlais comme ça, mais mon frère, il marche pas. Donc, s'il marche. Donc mon frère travaille avec sa femme. Ils sont ensemble depuis 4 ans, je crois, ouais, 4 ans. Ils ont monté un labo ensemble. Elle a des compétences, donc elle est prothésiste allemande, donc avec une rigueur qu'on connaît aux Allemands. Et lui est vraiment le commercial de la boîte. Ils ont vraiment monté quelque chose pour avoir la liberté de bosser ensemble sans être tout le temps ensemble. Et d'avoir un objectif, c'est se dégager du temps libre après le travail, quoi. Voilà. Et je pense qu'ils sont arrivés à leur projet. Tout de suite, ils sont en Irlande. Il y a 15 jours, ils sont partis à la pêche dans les Cévennes. Enfin bon, voilà. Et donc, ils ont vraiment axé leur... ils ont réussi à sectoriser leur domaine de compétences et à être au maximum, au taquet dans les directions qu'ils ont choisies. Oui, ouais, c'est un bon témoignage. Hein. Ça fait partie d'un couple efficace et pertinent et qui se sont questionnés sur qu'est-ce qu'on veut. Notre projet, il part de quoi? Qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? On veut partager quoi pour faire quoi? Ça, c'est vraiment initialement, il faut se poser ces questions. Hein. Effectivement, eux, ils étaient au clair sur le fait qu'ils avaient envie de se mettre ensemble pour dégager du temps ensemble et pour mettre leurs talents en complémentaire. Donc, et ça a bien marché parce qu'ils ne se bouffent pas, ils sont positionnés, hein, c'est très clair. Ça c'est mon job, ça c'est ton job. Donc ils ne se bouffent pas sur les pieds, quoi. Et puis ils ne sont pas en lutte de pouvoir non plus. Et effectivement, ils étaient clairs sur le départ. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Pourquoi on se met ensemble? Ça c'est la première chose. Hein. On se met ensemble pourquoi? Il faudrait que chacun dise et réfléchisse et exprime à l'autre après quoi je cours. Parce que déjà il faut le négocier au départ, parce que moi je ne courais pas après la même chose que lui. Hein. Donc c'est intéressant de dire, tiens, en fait, mais pourquoi j'ai dit oui? C'est quoi qui m'intéresse dans le projet couple, quoi? C'est quoi mon objectif? C'est quoi ma motivation? Ça va me permettre quoi? Et que l'autre soit au courant. Hein, et c'est pour ça qu'il y a des couples qui marchent bien quand ils sont effectivement au clair, déjà dès le départ. Et là, effectivement, ils ont réussi à atteindre leurs objectifs qui s'étaient fixés, puisqu'ils ont aussi un équilibre entre temps personnel, temps du couple et temps professionnel. Donc il y a un équilibre. Leur labo est maintenant à la maison. Donc, voilà. C'est encore pire que... Ils sont vraiment constamment en lien avec leur travail, constamment en lien l'un avec l'autre. Donc moi, au départ, j'ai regardé ça d'un œil un peu intéressé, mais surtout spectateur, quoi. Je me suis dit, à quel moment ça va se casser la gueule, quoi. Enfin, en gros, hein, pour être tout à fait optimiste. Et du coup, non. Et j'ai vu que... les cartes étant bien distribuées au départ, les rôles étant vraiment bien définis, ça marche. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, parce que ce témoignage est intéressant parce que vous rentrez typiquement dans ce que croit le grand public. C'est-à-dire, oh là là, ils sont tout le temps ensemble, ça va être la cata, ils vont se mettre sur la tête au bout d'un certain temps parce qu'ils passent tout leur temps ensemble. Là, il n'y a même plus de sectorisation. Là, c'est le boulot et là, c'est la maison. Ils sont tout le temps l'un sur l'autre. Et en fait, non, quand les rôles sont bien définis, au contraire... ça peut rajouter même un plus au couple. Hein. Nous, c'est notre cas. Je vous dis, on mélange tout. On travaille, on vit ensemble. On n'a pas même d'endroit précis où on va au travail et on revient. Bon, si ce n'est dans les stages qu'on anime, donc on part quelque part, mais on part ensemble, on revient ensemble. Ça a l'air tout mélangé, mais nos rôles sont bien distribués comme ça. On n'a pas les mêmes talents, on n'a pas les mêmes compétences. Et on est au clair. Et voilà, donc ça peut vraiment fonctionner. Hein. Au contraire, ça peut être vraiment magique. Voilà. Mais chaque couple est différent et c'est au cas par cas, je crois. Il n'y a pas une formule qui marcherait mieux. Il y a juste à pointer hein, ce qui pourrait vraiment être les écueils et pas tomber dans les écueils. Et ça serait vraiment dommageable parce que là, si on ne met pas assez de conscience hein, sur ces points-là, je crois que ça peut vite partir en sucette, par contre. Vous travaillez ensemble aussi? Non. Vous auriez envie de travailler ensemble? La question, c'est... Attends. Ça marche pas, je pense. Si ça marche, ça marche. Donc, vous auriez envie de travailler ensemble? La question... Ça marche pas, c'est... Ah oui, la question s'est posée un peu par hasard, alors que... Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, je m'étais pas du tout préparée. C'était pour... la question s'est posée lors d'un entretien de recrutement pour Xavier. Et en fait, il voulait nous recevoir tous les deux.
Et c'était pour créer, je peux le dire, c'était pour créer un commerce, pour créer un commerce, reprendre, pour travailler pour une enseigne. Et donc, quand Xavier a été convoqué pour un entretien, ils ont demandé à ce que l'épouse soit là. Et moi, donc, j'ai gentiment accepté, mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Et pourquoi ils veulent me voir ? Et en fait, c'était d'une part parce que l'enseigne aime bien l'idée que les couples travaillent ensemble, alors que nous, au départ, ce n'était pas du tout notre projet. On a absolument deux domaines professionnels très, très distincts. Et en fait, au fur et à mesure de l'entretien, moi, j'ai vu que j'avais des choses à dire, des choses qui, en plus, pouvaient intéresser je crois qu'ils ont un peu intéressé l'employeur en question. Et donc voilà, la question c'était un peu posée, mais voilà, alors que moi j'adore mon métier, que pour l'instant c'est pas mûr du tout et je me vois pas lâcher en tout cas 100% mon travail. Donc là pour l'instant la question se pose, mais peut-être en complément de mon activité, ce qui serait peut-être possible parce que je suis prof, donc peut-être qu'il y aurait une place en plus de mes heures de travail pour voilà. Mais la question c'est que moi j'avais envie de vous demander, est-ce que vous êtes à 100% ensemble dans votre projet professionnel? Oui, vous c'est tout. Non, je vous réponds pas. Oui, quand on s'est rencontrés, on avait chacun nos métiers. Bon, il se trouve qu'on est dans les mêmes métiers. On est tous les deux thérapeutes et on a eu envie d'animer des stages ensemble. C'est lui qui m'a proposé d'animer des stages de tantra et puis moi, des mois après, des stages sur la relation amoureuse. Mais voilà, j'animais depuis des années des stages, donc bon, pourquoi pas. Mais il m'aurait dit, viens, tu vas faire de la pâtisserie avec moi. Moi, comme j'étais amoureuse, j'aurais dit, oui, je vais faire de la pâtisserie avec toi. Je vais faire ce que tu veux, d'ailleurs. Voilà, c'était mon côté enthousiaste. Je vous dis, moi, j'avais un idéal romantique. Hein. Après, lui, c'était plus autre chose. C'est pour ça, ça dépend de la motivation. Donc, mais par rapport à votre cas, mais pourquoi pas démarrer, effectivement, pas tout mettre en commun si vous trouvez que c'est risqué de tout lâcher pour tout mettre en commun, hein, mais commencer par mettre un bout en commun, démarrer quelque chose, un projet ensemble, pour pas mettre trop d'enjeux, hein, et puis petit à petit, voir si vous y trouvez du bénéfice, hein, si ça vous met plus de joie dans votre vie, quoi, si ça augmente votre joie, si ça enrichit votre couple, si ça vous met dans quelque chose de plus heureux, de plus soutenant, que vous ne trouvez pas justement dans votre job ailleurs, quoi. Il y a un investissement intellectuel aussi. Comme elle est, vous êtes prof, ça ? Du coup, c'est peut-être pas forcément tout mettre ses œufs dans le même panier. C'est aussi conserver une activité intellectuelle qui lui plaît et qui, au moment où elle y est, elle va zoner à 100% et au moment où elle va être avec Xavier, elle va être aussi être à 100% parce qu'elle va être investie d'une autre manière et sur un autre mode, quoi. Donc ça peut être... voilà. Tout à fait, oui, c'est à vous d'évaluer, mais ça peut être effectivement déjà une bonne idée de démarrer comme ça, hein. Ce que je disais, hein, c'est la notion d'autonomie, hein, parce que certains couples qui travaillent tout le temps ensemble n'ont plus d'espace perso, ils se font absorber. Donc là, c'est vrai, vous auriez un espace perso à côté et puis un espace commun, voilà. Et puis après, tout peut changer, hein. Faut pas oublier que ça évolue, les choses. Et donc, vous démarrez comme ça, et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid. Est-ce que ce projet, finalement, en commun, c'était pas une bonne idée ? Ou est-ce qu'au contraire, tiens, parce que les idées viennent au fur et à mesure, on n'arrête pas les opportunités s'ouvrent, des choses qu'on n'imaginait pas s'ouvrent. Moi, j'aurais jamais pu imaginer, 3 ans à l'avance, qu'il y aurait un tel développement, que je passerais mon temps à faire des conférences sur la relation amoureuse, parce que c'est lui qui m'a mis sur scène, il m'a dit, mais si, vas-y, fais-le. Vous voyez, comme ça, il me dit, mais si, c'est ton truc, vas-y, fais-le. Je lui dis, bon, qu'est-ce que je vais faire, moi, je vais raconter ma vie, bon. Et mais si, bon, pourquoi pas. Et puis, 1, 2, 3, 4, et hop, là, et voilà, c'est parti. Et donc, c'est un peu miraculeux, des fois. On ne peut pas savoir à l'avance ce que ça va donner dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut le vivre, quoi. Donc, mettez-vous à l'œuvre, démarrez quelque chose, initialisez, et puis après, vous voyez si vous êtes quand même capable de temps en temps de gérer et de faire des temps de régulation. Pour justement être pas dans les prises de pouvoir, hein. C'est ça qu'il faut éviter, les écueils, c'est les prises de pouvoir, hein. J'ai raison, t'as tort, je veux que tu vois, je veux que tu te rapatries sur mes visions, hein, sur ma vision du monde qui est la bonne. Donc, mais si vous évitez les écueils, ça peut être en général hyper productif et donner beaucoup, hein. C'est redistribuer le meilleur de nous à l'extérieur. Donc au lieu d'être dans un couple centrifuge,
On ramène tout à l'intérieur. Ici, vous êtes dans un couple qu'on dit centripète. C'est vous mettez de l'intérieur et vous amenez vers l'extérieur. Le mouvement, il est vers l'extérieur. Vous offrez. Vous n'êtes pas là à tout ramener pour vous et à garder tout pour vous. Donc, c'est peut être vraiment génial, quoi. Mais ça peut être magnifique. Hein. Voilà. Donc, à vous de voir, mais allez-y, hein, démarrez quelque chose. Vous êtes en couple aussi, professionnel. Non ? Ah, je pensais que vous étiez en André Marie en couple. Voilà, bon, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas plus de couples ici qui pourraient témoigner. C'est vrai que moi, j'en connais pas mal qui fonctionnent très très bien autour de moi. Il y a vraiment de jolies choses, ce qui me touche beaucoup d'ailleurs, hein, parce que je vois beaucoup de créativité dans les couples comme ça qui se mettent à travailler ensemble. Et ça me... ce qui peut me déranger, c'est les couples où justement ils se sont mis sur des enjeux sécuritaires, financiers sécuritaires. Et donc là, quand je vois qu'il y en a un qui domine l'autre, ça me fait peine, quoi. Voilà. C'est un peu dommage que ça soit réalisé comme ça. Mais sinon, ça peut être vraiment quelque chose de magnifique. Hein ? Est-ce que le dominé est peiné ? Bah, le dominé, non, il n'est pas peiné. C'était les associations, les partenariats d'une ancienne époque. Hein. Et souvent, c'était l'homme qui dominait, qui avait sa secrétaire. Voilà, il y a encore des couples comme ça. Voilà. Ben, ils fonctionnent, c'est fonctionnel. Alors, ça peut leur convenir de manière fonctionnelle, organisationnelle, et ça peut fonctionner au niveau financier, effectivement. Et ça peut être aussi comme ça à la maison. C'est juste que c'est un couple K1KA, c'est-à-dire c'est un couple qu'on appelle symbiotique. Il y en a, c'est une transaction parent-enfant. Hein. Il y en a un qui prend le pouvoir sur l'autre. Ça peut marcher en apparence, mais voilà, il y en a un petit et un grand, quoi. À nous dire qu'on ne doit pas hiérarchiser, donc il n'y a pas dans toutes les sociétés, qu'elles soient dans une société X ou Y, quand il y a des employés, il y a un patron, il y a un... Donc là, dans le couple, on ne hiérarchise pas. Oui, non mais d'accord. Donc là, on fonctionne vraiment en association. Et c'est amusant parce que moi, je travaille en entreprise et ce que vous dites me paraît juste, c'est-à-dire que là, ça serait plus association égalitaire. Et de plus en plus, le management est revisité aujourd'hui. Au lieu d'être pyramidal, tayloriste, on voit arriver un management beaucoup plus en autonomie, c'est-à-dire où les collaborateurs sont autonomes les uns les autres. Hein. Voilà. Alors, il y en a un qui peut prendre le pouvoir, mais là... Oui, mais c'est légitime hein, chez les êtres humains d'avoir envie d'avoir raison sur l'autre. C'est juste à être vigilant. Jusqu'où ? Oui. Mais c'est jusqu'où ? Il y a une histoire de place, hein, de rivalité. Et c'est ça, c'est là où moi je le vois hein, dans notre couple. À chaque fois, là, je me dis, mais attends, il prend toute la place, il faut que je reprenne ma place. Donc, redonne-moi le micro. On le voit d'ailleurs dans certains stages qu'on anime où je reprends le micro. Maintenant, c'est moi. De façon assez. Et donc, il y a cette question qui va se poser qui est humaine. Mais il y a une vigilance à tenir pour justement qu'il n'y en ait pas un qui soit toujours le dominant, à mon avis. Sinon, on va voir ces couples, effectivement, dont vous avez parlé, là, qui sont des couples où il y a un dominant. Enfin, il y en a un qui a une posture de pouvoir. Hein. L'alpha, en général, ce que j'avais nommé l'alpha dans les profils amoureux. Et puis l'autre qui est un peu subordonné, là, en dessous, dans une position hiérarchique inférieure et qui obéit. Mais qui tient les rênes souvent par en dessous, sur un autre plan. Hein. Ça peut être à la maison, etc., ou enfin, qui fait payer quelque part. Et donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus magnifique. C'est pas là où va être redistribué le meilleur et la lumière du couple. Ça va donner autre chose. C'est fonctionnel. Voilà, pour moi, c'est fonctionnel. Ça peut marcher financièrement, ça peut faire des bénéfices, ça peut faire quelque chose de lucratif et de fonctionnel. Mais ça va pas être magique, hein. Ça va pas être mythique et très créatif. Et c'est pas ça que je vise, moi. J'ai plutôt un idéal lumineux, voilà, comme ça. Mais bon, ça m'appartient. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut à sa porte. C'est pour ça, effectivement, c'était intéressant de pointer cette histoire égalitaire que moi, je préconise. Mais voilà, après, tous les couples ne sont pas capables de gérer ce partenariat d'association égalitaire. Et attention, justement, parce qu'il pourrait vite qu'il y en ait un qui prenne les rênes, hein, qui contrôle l'autre. Et que l'autre se laisse contrôler parce qu'il ne croit pas en lui, en sa valeur. Et qui se dit, l'autre est plus fort que moi. Il sait mieux que moi. Il a raison. Hein. Donc, faites attention à ça. Hein. Quand vous donnez tout pouvoir à l'autre,
de quel endroit ça part. En général, ça s'origine d'une histoire dans l'enfance. Hein. Si vous avez donné tout pouvoir à un parent, si vous étiez complètement admiratif d'un parent, bah, vous reproduisez ça dans le schéma du couple. Donc l'autre, vous lui donnez tout pouvoir. L'autre, voilà, mais c'est vous qui confiez le pouvoir à l'autre. Personne n'a le pouvoir de vous dominer si vous ne lui confiez pas le pouvoir. Donc faites attention à ça, voilà. Voilà, c'était encore un petit mot que je voulais vous dire. Bon, ben, si vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter là. Et ben, merci à vous. Hein, et puis, ben, je vous souhaite plein de beaux projets, de beaux bébés, couples, dans vos projets professionnels. Parce que c'est une autre manière de faire des bébés et qui peut être différente, mais c'est des bébés couples quand même qu'on voit arriver dans les projets professionnels. Voilà. Hein ? Voilà. Hein ? Voilà. Bah, merci. À une prochaine fois.